Bonjour à toutes et à tous. Je nous propose donc dans ce topo historique de revenir sur un des épisodes bien oubliés de ce que l'on a appelé les guerres sans fin, les guerres d'après la guerre de 14-18, qui concerne principalement ici le bassin danubien, voire quelques éléments des Balkans par extension. Il s'agit ici de l'année 1919, les guerres anticommunistes et plus particulièrement le fameux cas de la guerre hungaro-roumaine, puisque la Roumanie alliée des puissances de comment dire alliées, hein, qui sera associée au vainqueur après la guerre de 14-18, qui va bénéficier donc d'une extension territoriale importante, notamment avec le traité de Trianon, on y reviendra. Cette Roumanie va être tout de suite mise à l'épreuve au cours de la fin de l'année 1918 et du début d'un premier semestre, en tout cas de l'année 1919, autour de la nécessité pour les Alliés de mettre un terme de toute urgence à cette révolution qui va éclater à partir de mars 1919 à Budapest, c'est-à-dire la formation de ce que l'on appelle la République des Conseils, tentative effectivement de création d'un État bolchevique, d'une République bolchevique sœur de celle de la Révolution soviétique en cours depuis 1917 autour de Lénine, et à visée bien sûr extensible à toute la région. Autant dire que en plein moment où à Paris, à Versailles, et dans les grandes villes de la banlieue parisienne, on est en train tout simplement de préparer la paix avec les différents traités, traité de Versailles bien sûr, et puis tous les autres qui vont suivre, eh bien il y a urgence évidemment à pacifier la région. Et c'est un peu ce que je me propose de voir ici avec vous. La Roumanie, on le sait, n'est pas dans le conflit de la guerre de 14-18 dès le début. Elle va progressivement, notamment suite à la mission Berthelot de 1916, du général Berthelot, puis celle de 1918, deux missions importantes qui vont doter, moderniser d'une part l'armée roumaine, permettre à la Roumanie d'entrer dans le conflit aux côtés des puissances alliées, effectivement, en 1916, et puis permettre aussi la création de ce que l'on va appeler l'armée du Danube, cette fameuse armée, créée par Berthelot, qui va permettre, effectivement, de muscler considérablement la Roumanie pour lutter, évidemment, contre toutes les tentatives de régime bolchevique, notamment à l'est, vers l'Ukraine et vers la Moldavie. Donc, on est dans une période extrêmement trouble, et pour cela, je me propose de voir trois volets principaux. Le premier, qui sera quand même le rappel, rapidement, pourquoi il y a une présence alliée en Orient, pourquoi des armées occidentales sont là-bas, dans une guerre de 14-18, qu'il faut bien le dire, on présente toujours, jusqu'à maintenant, comme principalement se déroulant sur le front occidental, Verdun, la Somme, enfin bon, etc., je passe tous les détails, ces aspects orientaux sont beaucoup moins connus. Donc, pourquoi cette présence? Comment tout cela va s'organiser, notamment autour de cette Roumanie donc pro-occidentale, qui va quand même connaître pas mal de revers, on le sait, dans cette partie qui va de 1916 à 1918, du premier conflit mondial, et comment effectivement, la Roumanie, au sortir de la Première Guerre mondiale, après novembre 1918, va devenir assez rapidement, automatiquement, même si je puis dire, un des pivots centraux du système de sécurité occidentale vers l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et les Balkans. On sait bien que ça se terminera, comme on le sait, avec la création, dès 1920, de ce qu'on appelle la Petite Entente, constituée de la nouvelle Yougoslavie, une Yougoslavie qui n'existait pas auparavant, c'est pour ça que je dis nouvelle, de la Roumanie, comme par hasard, et avec comme clé de voûte la Tchécoslovaquie.
C'est pas par hasard, hein, effectivement, que la Roumanie va faire partie au début des années 20, dès le début des années 20, de la petite entente. C'est justement en partie à cause de tout ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, premier volet, donc, pourquoi cette présence alliée en Europe orientale? Deuxième volet, bah, qu'est-ce que c'est que cette révolution bolchevique qui arrive à Budapest dès le mois de mars 1919? Comment se fait-il, hein, dans la Hongrie vaincue, certes devenue une république, puisque la double monarchie s'effondre à la fin de l'année 1918, on le sait, hein, et le dernier empereur Charles, hein, qui avait succédé à François-Joseph en 1916, eh bien, ce dernier empereur Charles abdique à la fois l'Empire à Vienne, hein, et la monarchie à Budapest. Hein. N'oubliez pas que nous avions la monarchie Kaunka, hein, Königlich und Kaiserisch, hein, c'est-à-dire impériale, hein, et royale, hein, royale et impériale, hein, dans le sens de l'allemand que je viens de citer. Donc, qu'est-ce que c'est que cette révolution? Ses caractéristiques absolument effrayantes. Hein. Il s'agit vraiment d'une reproduction de la révolution bolchevique de 1917, hein, en plein cœur de l'Europe. Hein, et en plus dans une Europe complètement déstabilisée, car dans l'Europe vaincue, hein, ce que dirait Churchill d'ailleurs, le ventre mou, plus ou moins le ventre mou de l'Europe. Hein. Donc on est vraiment là dans une situation tout à fait effrayante, et on va comprendre très vite, et ce sera tout à la gloire effectivement de la Roumanie, de l'amitié franco-roumaine, de l'œuvre de Berthelot, qui bien sûr aura été derrière, hein, la reconstitution de cette armée roumaine, hein, qui va assez rapidement en effet prendre part, possession effectivement de la Transylvanie, hein, qui avait été promise évidemment à la Roumanie, notamment en échange de son entrée en guerre, hein, on le sait bien, on verra après, quelques, citerons un peu les travaux du comité d'études, hein, qui interviendra sur le traité de Trianon pour bien arrimer cette Transylvanie à la nouvelle Roumanie qui est en train de se constituer. Et on verra donc toute l'importance effectivement de cette intervention militaire, hein, roumaine, et surtout de la nature de ce régime donc dirigé par ce leader, hein, dont quand même aujourd'hui on ne parle plus trop, qui s'appelait Béla Kun. Hein, Béla Kun, donc, qui évidemment disparaîtra avec le régime bolchevique, repartira à Moscou et on le sait, sera exécuté donc dans une purge stalinienne un peu avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il meurt en 1939, hein, Béla Kun. Et puis donc, troisième volet, bien sûr. L'intervention militaire de la Roumanie, son importance, l'occupation de Budapest, comment les Alliés vont, bien sûr, hein, soutenir bah, ce qu'ils vont trouver d'anticommunistes en Hongrie, c'est-à-dire ce militaire de la double monarchie hongrois qu'on appelle l'amiral Horthy, hein, amiral car il était amiral de la flotte austro-hongroise, bien sûr, hein, qui n'existe plus, ça, bien sûr, on l'avait compris, hein, mais Horthy qui va fédérer effectivement depuis le sud, hein, eh bien, toutes les troupes. Hein, comment dire, toutes les troupes, donc effectivement anticommunistes, hein, qui vont donc, bien sûr, effectivement, eh bien, rapidement s'emparer à leur tour de Budapest, qui sera évacué par les Roumains. Et puis dernière partie, on évoquera rapidement bah, ce qui se passe en 1920, hein, à la fin de toutes ces péripéties, le 4 juin 1920, le fameux traité de Trianon signé avec la Hongrie et les différents belligérants, dont bien sûr la Roumanie, hein, puisque au terme de ce traité de Trianon, eh bien, naîtra bien sûr la nouvelle Hongrie, petit État. Vous avez derrière moi une vieille carte, on la voit d'ici, de la Hongrie. Royal, hein, avant la guerre de 14-18, bien sûr, ce territoire va être considérablement réduit au profit de la naissance de ce qu'on appellera la Roumanie moderne. Voilà donc en 3 points ce qui sera développé ici dans cette petite vidéo. On interrompra de temps en temps par quelques projections de cartes, hein, car c'est évidemment indispensable, hein, sur un sujet pareil, de montrer quelques cartes et surtout des documents, que je suis allé d'ailleurs photographier lors de cette très grande exposition de la fin de l'année 2018 donnée au musée de l'armée, qui s'intitulait La guerre sans fin, les guerres
oubliées. Hein. Les guerres oubliées, ben, c'est bien sûr en partie la guerre hongaro-roumaine, on le sait. Il y a aussi la guerre célèbre, célébrissime, si je puis dire, polono-russe, hein, russo-polonaise, hein, cette fameuse guerre, puisque bien sûr le régime bolchevique, effectivement, paix de Brest-Litovsk en 1918, ben, va quand même tenter de récupérer les territoires perdus hein, par cette paix blanche avec avec l'Allemagne hein. Et on le sait bien évidemment tout cela se fera fort heureusement comment dire au détriment de la jeune Union soviétique en train de naître, puisque bien sûr la Pologne hein, fait partie des fameux grands États qui sont reconstitués après la guerre de 14-18, fort heureusement d'ailleurs pour les Polonais, on sait très bien l'issue dramatique hein, que cela aura après. Alors, premier lieu, pourquoi donc, pourquoi une présence occidentale? Qu'est-ce que c'est que cette armée du Danube, là, constituée par Berthelot, qui est en Roumanie, qui va jouer un rôle extrêmement important? Qu'est-ce que c'est que l'armée d'Orient, hein, encore plus antérieure, hein, 1915, expédition voulue par Churchill, rappelons-le, pour ouvrir un deuxième front en Europe. Hein, il y a ce fameux front, bien sûr, de plusieurs milliers de kilomètres, hein, qui va de la mer du Nord hein, à l'Alsace. Celui-là, on le connaît, c'est le front occidental, hein, les grandes batailles, Verdun, la Somme, hein, et j'en pourrais en citer beaucoup, hein, qui sont certes dramatiques, très importantes, mais nous sommes dans une guerre de position depuis la bataille de la Marne. Le front est figé. Hein, figé, des milliers de morts de part et d'autre, on n'en sort pas de cette guerre de plus en plus coûteuse hein, et de moins en moins populaire, il faut bien le dire, puisque on sait bien, ça se terminera par les grandes émeutes de l'année 1917. Hein. Et donc l'idée du premier lord de l'amirauté britannique, bah, c'est de se dire, on va peut-être essayer de prendre tous les puissances centrales à revers. Hein. Pire ottoman, dans cette guerre-là, est allié hein, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, etc. De la Bulgarie, n'oublions pas les Bulgares, important, seul petit État balkanique allié des puissances centrales dans ce conflit. Puis l'idée, bah, c'est de se dire, bah, on va essayer d'ouvrir un deuxième front, on va envoyer une expédition avec la Navy britannique, bien sûr, hein, premier lord de l'amirauté, avec un beau corps expéditionnaire composé de Français, de Britanniques, mais aussi d'autres puissances, pour frapper ce front. Hein, oriental, évidemment, hein, dans les Dardanelles. Hein. Expédition des Dardanelles 1915, qui va donc partir évidemment pour tenter de forcer l'étroit des Dardanelles, frapper la Turquie ottomane, hein, l'Empire ottoman à revers et ouvrir un deuxième front effectivement et prendre évidemment, c'est la grande idée, hein, les puissances centrales à revers. Puisque la Russie, bah, évidemment, marque le pas, on est en 1915, c'est encore l'Empire russe, les Russes sont toujours nos alliés, mais bon, on sait bien que ça va de moins en moins bien dans l'immense Empire russe, et ça va se terminer aussi en 1917 hein, avec la révolution bolchevique et la sortie du conflit. Donc on peut plus trop compter sur eux, il va falloir donc trouver un autre moyen, et cet autre moyen, bah, c'est cette expédition des Dardanelles, qui sera un échec. Échec cuisant, et les débris de ce corps expéditionnaire, on le sait, vont s'installer dans un état neutre de la région, la Grèce, hein, voisine, notamment dans la région de Salonique, Thessalonique, hein, et c'est là que va naître ce qui sera plus tard le fameux corps expéditionnaire dit de l'armée d'Orient, qui va déjà, à partir du moment où la Grèce va entrer dans le conflit en 1916, hein, nous permettre effectivement d'ouvrir un front contre la Bulgarie. Hein, et contre bien sûr la Turquie, ça c'est important, guerre de position là aussi, ça a donné le fameux film Capitaine Conan, hein, sur lequel j'ai quelques publications, que vous pouvez retrouver sur mon site internet, hein. Et puis, film Capitaine Conan, à la base aussi un roman de Roger Vercel, ne l'oublions pas, hein, c'était tiré d'un roman. Cette armée d'Orient, donc, qui va faire la fameuse percée du 15 septembre 1918, hein, commandée par le général futur maréchal Franchet d'Épernay, hein, sur lequel j'ai été commissaire moi-même d'une exposition à la fin de l'année 2018. Hein, il y a une vidéo sur cette chaîne YouTube, je vous invite d'ailleurs à la regarder. Ça vous donnera une idée un petit peu de ce que comment on fait une exposition quand on est commissaire d'expo et avec une équipe, disons, vaillante, mais relativement restreinte, hein, mais on arrive quand même à faire quelque chose, un an et demi de travail à peu près. Alors,
Voilà pour la première partie, le premier morceau, hein, qui va jouer un rôle. Cette percée très importante parce que c'est la débandade. Les Bulgares vont dans l'affolement demander l'armistice. Et puis les objectifs de Franchet les Perret, si évidemment l'état-major et les politiques occidentaux n'avaient pas donné d'autres instructions, c'était de foncer sur Berlin comme dans du beurre, hein, et de mettre un terme au conflit. Ben non, il faudra encore attendre le mois de novembre, hein, parce que de l'autre côté, il y a la grande offensive du maréchal Foch, hein, qui va, elle aussi, percer pour la première fois depuis bien longtemps le front occidental. Cette fois-ci, effectivement, 3 ans plus tard, hein, bah, l'idée de Churchill n'était pas si mauvaise. Les puissances centrales sont en effet prises à revers. Hein, c'est la débandade. Hein. La Roumanie, qui était comme enclavée, bien sûr, on l'a bien compris dans ce dispositif, bah, bien sûr, va immédiatement pouvoir jouer son rôle. Hein, et son rôle, bah, ça va venir très vite. Hein, parce que, bah, malheureusement, dans ce flanc européen complètement, comment dire, mou, décomposé. On sait que l'empereur d'Autriche-Hongrie, j'ai dit tout à l'heure, abdique, proclamation de la République à Vienne, proclamation de la République à Budapest, hein, autour du comte Károly, hein, qu'on appellera le comte rouge. Pourquoi? Bah parce que ce démocrate pourtant issu de la monarchie, de la monarchie hongroise, hein, noble hongrois, eh bien ce comte Károly va malheureusement assez rapidement, de guerre lasse, si on peut dire, passer la main à Belle Lacoune. Donc on l'accuse un peu de traîtrise, hein, c'est son surnom de comte rouge. Hein, évidemment, il ne s'agit pas ici d'impliquer aucunement la famille Károly, dont l'actuel, au moment où je vous parle, en 2019, ambassadeur de Hongrie en France, hein, qui est un descendant de ce fameux comte Károly, Károly, hein, prononcé à la française. Alors, donc, assez rapidement, bah, c'est une catastrophe. Après, bien sûr, proclamation aussi de la République à Berlin, ça va être la République de Weimar, hein, tout ce monde s'empresse de signer des armistices. Hein, le 11 novembre, évidemment, 1918, c'est officiellement la fin de la guerre. Hein, mais voilà que, hélas, et eh oui, parce que depuis 1917, après les émeutes, hein, les mutineries des soldats 17, hein, qui avaient été matés, comment dire, très sévèrement, bah, il y a à Moscou une révolution qui a éclaté, c'est-à-dire pour ça qu'il y a les mutineries. On s'est dit, les Russes sont sortis du conflit en faisant la révolution, faisons pareil en Occident. En Occident, ça n'arrivera pas, il n'y aura pas de révolution. Hein. Les malheureux mutins de 17 seront fusillés, d'ailleurs, souvent dans des conditions scandaleuses, hein, donc sur le front lui-même. Hein, bon, je ne reviens pas sur tous les films extrêmement connus de Kubrick, hein, notamment sur cette, comment dire, sur cette période. Hein. Mais dans le ventre mou de l'Europe, dans l'Europe centrale, dans les Balkans, bah, il éclate un peu partout des révolutions, parce que tout simplement, bah, c'est très simple, hein, ces révolutions, hein, doivent éclater. Lénine, le Lénine de 1917, c'est pas le Staline du début des années 20, hein, c'est très différent. La révolution éclatée, elle doit être mondiale, hein, universelle, donc on appelle les peuples du monde entier, hein, à se révolter, hein, et à déclencher un peu partout des insurrections, hein, des manifestations à caractère insurrectionnel, dont l'objectif, hein, est évidemment de constituer des petites républiques bolcheviques un peu partout. Alors, toutes ces petites républiques bolcheviques n'existeront pas ou seront détruites extrêmement rapidement. Hein, il faut savoir qu'il y a des communes, puisque c'est comme ça qu'on peut les appeler, qui vont apparaître à Berlin, à Munich, à Vienne, hein, en Biélorussie, hein, aussi à l'Est, hein, en Moldavie. Là, ça concerne évidemment la Roumanie en cours de constitution, dans sa version agrandie. Hein. Inutile de vous dire que là, effectivement, l'armée du Danube, hein, et ces armées roumaines entièrement, si je puis dire, ont été modernisées et réorganisées. Évidemment, avec l'importance que jouera le général Berthelot là-dedans, hein, vont jouer un rôle très important pour la Moldavie, la Bessarabie, hein, et l'Ukraine, évidemment. La partie Est, hein, sera bien consolidée et les risques de tentatives de révolution bolchevique seront assez rapidement éloignés. Second volet, hein. Second volet, bah, c'est évidemment ce qui se passe. Donc en Hongrie, où là, rien ne va plus. Hein.
rien ne va plus parce que là, bah, ça va marcher. Pendant quelques mois, en effet, va s'installer vraiment une république bolchevique, dirigée par un personnage qui était journaliste à l'origine, qui s'appelait Bel Lacoun. Il était, c'était un citoyen à l'origine de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Il est né en 1886, mort en 1939, donc dans une purge stalinienne éliminée, hein. Et il était journaliste donc dans la ville qui portait ce nom hongrois, hein, je précise, Kolozsvár, et beaucoup de noms qui changent dans cette période, c'est-à-dire l'actuel Cluj-Napoca. Hein. Bel Lacoun va être un militant bolchevique dès les débuts de la Révolution, et il est à Moscou au moment de l'armistice de novembre 1918, et évidemment le directoire autour de Lénine l'envoie, un peu comme un missi dominici du communisme, hein. Dès novembre 1918, il quitte Moscou et il est envoyé en Hongrie pour faire quoi? Bah, pour préparer une révolution bolchevique, un peu comme les autres, d'autres émissaires agiront de même à Berlin, à Munich, à Vienne, hein. Sauf que eux, bah, ils seront écrasés, notamment par ce qu'on appelle les corps francs, hein, c'est-à-dire ces groupes paramilitaires qui se constituent très rapidement pour défendre évidemment les jeunes républiques démocratiques qui sont en train de naître, et écraser les tentatives de régime bolchevique, avec bien sûr, vous avez bien compris, la ferme, très très ferme soutien, hein, des Occidentaux, j'ai pas besoin de vous le dire. N'oubliez pas, hein, n'oubliez pas que le communisme, l'extension du communisme, du bolchevisme, est une des peurs majeures, en tout cas d'une partie de l'entre-deux-guerres, hein, à coup sûr dans les années 20. Hein. Les années 30, quand même, on comprend. On commence à comprendre quand même que le fascisme et le nazisme hitlérien ne sont pas très sympathiques, hein, non plus. Mais dans les années 20, c'est sûr, c'est l'extension du bolchevisme qui terrorise, comme on dirait aujourd'hui, les chancelleries occidentales. Hein. D'où la naissance de la petite entente dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure. Alors, pour continuer notre propos, cette révolution, donc, eh bien, fait que. Carreuil, le comte Carreuil, dit le fameux comte Rouge, va passer les commandes, hein, en quelque sorte, à Bel Lacoun pour former un gouvernement. Et Bel Lacoun, bah, son programme est extrêmement simple, hein, c'est un programme révolutionnaire, hein, c'est-à-dire d'installer un régime, hein, de type bolchevique, hein, le plus rapidement possible. Alors pour ça, évidemment, on va retrouver un peu ce qui va être mis en place, hein, dès après 45, hein, quand la Hongrie de Horthy, cette fois-ci, va être transformée en, comment dire, régime bolchevique, cette fois-ci dirigé par le très stalinien Rakossi. Rakossi, personnage extrêmement intéressant, puisqu'il était aux côtés de Bel Lacoun, hein, déjà dès 1918-1919. Mais disons que les bolcheviques communistes futurs soviétiques, hein, le gardent un peu en retrait. On envoie d'abord Bel Lacoun, effectivement. On envoie Bel Lacoun va échouer, hein, comme on a bien compris. Et puis, eh bien, la prochaine occasion qui se présentera, c'est après 45, et cette fois-ci, ce sera le fameux Rakossi, hein, qui sera jusqu'en 56, hein, quand même, donc de 48 à 56 environ, le leader stalinien incontesté, hein, de la République, évidemment, socialiste hongroise, hein, qui fera partie, comme on sait, du pacte de Varsovie, hein, etc., etc. Tout cela est une autre histoire, mais c'est intéressant de voir, évidemment, quand même, que les racines, hein, de cela sont communes. Alors, c'est un régime évidemment terrible. Il y a dès mars 1919 une prise de pouvoir avec 15 000 hommes, hein, qui vont effectivement installer ce régime, un régime de terreur basé sur des gardes rouges qu'on va appeler les gardes Lénine. Vous enverrez quelques images dans cette vidéo, hein, chargée évidemment d'appliquer de manière ultra radicale la mise en place du régime. La presse est mise sous contrôle, on fait des arrestations, des purges. Hein. Le leader, donc, c'est Bel Lacoun, avec des personnages comme Otto Klein ou Corvin, chargé de la milice politique, des personnages comme Czerny, chef donc des gardes Lénine, c'est-à-dire ces fameux miliciens, hein, ou encore Tibor Samueli, chargé d'organiser l'armée rouge hongroise, hein, évidemment, parce qu'on clone un peu, hein, le régime
bolchevique de Lénine, hein, avec quatre divisions. Hein, il y a quand même une armée, on va se battre. Hein, il va vraiment y avoir une guerre, effectivement, qui va arriver. Hein, le régime de Ben Laccoune ne s'effondrera pas comme ça. Il s'effondrera parce que eh bien, les Occidentaux vont soutenir massivement l'intervention roumaine, hein, dans cette affaire, hein, comme on va d'ailleurs le voir. Alors, il est obligé, donc, j'ai retrouvé dans différentes sources, hein, bien sûr, les mesures qui sont prises. Les banques se voient interdites de recevoir des dépôts, les usines sont nationalisées. Le vêtement des citoyens hongrois, en tout cas ceux de Budapest, parce que bien sûr cette révolution est surtout concentrée à Budapest, sera réduit à un costume, trois chemises et une paire de souliers. Le logement, pareil, alors là on le fait à la bolchevique, une pièce autorisée par famille, hein, donc terminer les propriétés, tout ça, les maisons, tout ça c'est terminé, les salaires sont plafonnés, autre mesure, et puis il y a une véritable terreur, hein, effectivement, organisée par ces Lénine Fiouk, hein, les gars de Lénine, je l'ai dit tout à l'heure, cette milice politique, hein, chargée de faire appliquer la révolution bolchevique à la hongroise. C'est assez, entre guillemets, intéressant de faire là une petite comparaison avec la Bulgarie, qui n'est pas si loin, et dans laquelle se produira une autre révolution assez terrifiante, elle aussi, qu'on appellera la révolution agrarienne, hein, autour d'Alexandre Stambolitski, hein, qui, elle, se terminera en 1923, hein, mais dont une autre type de garde politique terrifiante était chargée de faire appliquer la révolution agrarienne. Cela, nous les appelions les gardes orange, la garde orange. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vêtus de chemises orange. Hein. C'était des agrariens qui étaient chargés donc de faire appliquer la politique mise en place par Stambolitski. C'est assez intéressant de voir que les modélisations, quelque part, totalitaires, hein, prennent copie, hein, sur ce qui se fait à partir de 1917, hein, dans la future Russie bolchevique. Hein. Ce dit en passage, puisque j'ai commis il y a quelques années dans un colloque un petit article sur cette fameuse garde orange, que là aussi on pourra retrouver des références si ça intéresse. Alors, les purges sont organisées, bien sûr, le vêtement des gars de Lénine, vous verrez une petite photo dans ce film, est fait d'une casquette, d'une veste, d'une culotte, tout en cuir, d'un fusil, d'un Browning et d'un couteau de boucher. Donc on voit tout de suite, hein, n'est-ce pas, l'ambiance. Hein. Et quand même, assez rapidement, bah, ce régime, hein, évidemment, ne va pas tenir. Le 1er mai 1919, hein, dans ce régime bolchevique, donc de Ben Laccoune, c'est une grande fête. Une procession est organisée sur l'avenue Andrássy, l'équivalent des Champs-Élysées de la Hongrie, hein, de Budapest, qui remontera le Városliget, l'obélisque, le fameux monument du millénaire, pour celles et ceux qui connaissent, sera recoloré en rouge, et une grosse statue de Karl Marx sera installée à la place de ce fameux monument du millénaire. Donc on imagine une procession organisée pour ce 1er mai. Enfin, on croit qu'il y en aura d'autres, mais là c'était le premier, le dernier, hein, 1919, organisé par le régime. Alors ce régime lui-même est de plus en plus isolé. Évidemment, la Russie en pleine guerre civile, hein, entre Russes blancs et Russes rouges, ne peut pas évidemment aider, comme elle aurait aimé le faire, le régime de Ben Laccoune. Il aurait fallu pour ça que Ben Laccoune fasse une offensive militaire, ce qu'il est en train de faire, pour rejoindre, hein, les frontières de la Russie bolchevique, mais ça n'a pas été possible. Hein. C'est un échec dans les campagnes. Évidemment, toutes ces mesures économiques dans une Hongrie défaite par la guerre déjà entraînent des famines. Hein. Et assez rapidement, les Alliés vont décider l'élimination de ce régime, d'autant plus que c'est dangereux, hein, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, il y a une ambiance de tentative d'extension de ces révolutions bolcheviques ailleurs, mais on a des cas quand même où ça risque de rester, comme en Ukraine, hein, de façon éphémère, comme dans les Carpates, hein, donc là il s'agit de la partie de la Transylvanie, et en Slovaquie également, où une éphémère tentative de régime bolchevique se met en place. Donc il est urgent d'agir, parce que bah, tout simplement, ce que fait Ben Laccoune pourrait bien faire tache d'huile. Hein, voilà. Donc, on va aller assez rapidement vers la guerre. Au sud de la Hongrie, dans la ville de Szeged, hein, vont se rassembler
des troupes contre-révolutionnaires autour de l'amiral Horthy, qui sera donc pour les Alliés le futur leader. Mais d'ici là et avant tout cela, la seule armée d'opérationnel qu'on a sous la main, et on veut que ce soit une armée locale de la région qui le fasse, par souci, encore une fois, déjà, de risque de tentative de contagion, eh bien, c'est d'envoyer effectivement ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire l'armée roumaine. Alors, cette armée de Roumanie, et cette intervention militaire roumaine, qu'on va ici donc détailler, eh bien, cette offensive va se mettre en place à partir du 15 avril 1919. Hein, ça se fait assez tôt, hein, le régime s'installe en mars. Hein, et donc tout de suite, il y a une situation de guerre, hein, puisque bien sûr, on ne peut pas permettre l'existence de cette révolution bolchevique. Hein, pour les Occidentaux, c'est impensable. Et donc dès le 15 avril, et ça va nous emmener jusqu'à la chute du gouvernement de Bel Lacoune, sous la pression évidemment des défaites successives. Le 1er août 1919 et le 4 août. Le 4 août, eh bien, les Roumains, hein, l'armée roumaine, je précise bien, il s'agit de cela, entrent dans Budapest et vont occuper effectivement la ville. Avec bien sûr l'autorisation des Occidentaux, tout cela est une intervention, si on peut dire, internationale ou presque avant la lettre, hein, jusqu'au 16 novembre 1919, hein, 16 novembre 1919, où ce sera Horthy, hein, et les troupes contre-révolutionnaires hongroises qui vont faire, avec 50 000 hommes, leur entrée dans Budapest. Et après, on passe évidemment à l'histoire de la confection du traité de Trianon. Mais cette occupation roumaine, en tout cas, va donc durer quand même, on le voit, presque un peu plus de 3 mois. Hein, au terme quand même d'une guerre dont on va quand même rapidement vous présenter, parce que, encore une fois, on est là dans quelque chose qui est peu connu. Hein, une offensive quand même qui mérite d'être connue, hein, surtout sachant que en quelque sorte, hein, eh bien, il y aura quand même engagé là-dedans, hein, plusieurs milliers d'hommes. Hein, on a côté hongrois, on aurait, car il faut toujours être prudent sur ce genre de chiffres, jusqu'à 80 000 hommes, face à 96 000 hommes, hein, pour les armées roumaines. Donc ça, c'est important de le mentionner. Alors, ce conflit donc va se dérouler selon la chronologie suivante. Hein. Première phase, hein, d'avril à juin 1919, c'est une avancée, hein, de l'armée roumaine jusqu'à ce qu'on appelle Oradea. Sur la carte en hongrois, c'est Arad, hein, du 15 au 16 avril. Donc là, c'est important. Première campagne, les troupes de Bel Lacoune vont reculer, hein, mal organisées, mal nourries. Hein. N'oublions pas que ce régime donc bolchevique n'est pas très solide. Hein. Deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la campagne de la Tissa, hein, qui va donc mener jusqu'à Budapest, hein, c'est-à-dire de juillet au 4 août 1919. Il y a une tentative de contre-offensive de la part de Bel Lacoune, mais qui tournera court. Hein. Et puis ensuite, donc à partir du 4 août, donc le 1er août, c'est la victoire, hein, de l'armée roumaine, le régime de Bel Lacoune s'effondre, celui-ci s'enfuit à Moscou, il sera exécuté plus tard dans une purge stalinienne en 1939, on l'a dit. Et puis ensuite, donc, c'est l'entrée de l'armée roumaine dans Budapest, qui installera son quartier général dans le fameux hôtel Gellért. Hein. Pour celles et ceux qui connaissent, il s'agit d'un hôtel qui est situé du côté de Buda, mais non pas de Pest, hein, sur la montagne Gellért, hein, qui est une montagne qui correspond à la période de l'évangélisation, alors c'est très loin, de la Hongrie, d'un moine franciscain, je crois,
le nom de Gérard, qui est un martyr, car il aurait été précipité depuis le mont Gellert, justement, d'où le nom du mont Gellert, Gérard. Et là, eh bien, du temps de l'Empire d'Autriche-Hongrie, un très bel hôtel a été installé, qui d'ailleurs a été repris dans pas mal de films, que l'on appelle l'hôtel Gellert, qui est un palace qui est au bord du Danube, absolument superbe. C'est là que l'armée roumaine aura donc son quartier général pour l'occupation. Puis, d'octobre à novembre 1919, sous le coup d'un médiateur, Sir George Clerk à Budapest, donc un médiateur britannique, on négocie tout simplement la transition, l'évacuation des troupes roumaines, qui veulent bien sûr en échange avoir garantie de ce que la Roumanie obtiendra effectivement avec le traité de Trianon en 1920, que ce soit définitivement cimenté. Et les Roumains évacuent, en effet, Budapest retourne donc dans la zone désormais définie de ce que sera la Grande Roumanie, et laissant évidemment le reste, donc, et surtout Budapest, aux troupes anti-communistes commandées par Horthy, qui, donc, à la tête de 50 000 hommes, fera son entrée le 16 novembre 1919 dans Budapest, à la tête d'un cheval blanc. Il y a de très belles photos de cette rentrée. Commencera alors évidemment une vaste purge. Autant on a eu une terreur rouge, on l'a bien compris tout à l'heure, durant ce régime de Ben Lacoun, autant à la terreur rouge, succédera ce qu'on appellera la terreur blanche, c'est-à-dire des purges anticommunistes, bien sûr, dans la Hongrie. Le tout, eh bien, le tout, mes chers amis, se concrétisant dans le troisième volet de ce petit topo, qui a le mérite, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à le voir, d'exister, puisque ce sont des choses complètement inconnues, ou presque, même dans l'historiographie. Il y a beaucoup des articles, et je peux vous tenir une bibliographie à disposition si besoin est, anglo-saxonne, mais il n'y a pas énormément de choses qui ont été consacrées à ce régime de Ben Lacoun, si ce n'est que quelques thèses, mais pas de travaux récents, si on peut dire. Quand je dis récents, je parle des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Alors, traité de Trianon, 4 juin 1920, bien sûr, bon, ça, c'est, si je puis dire, ce qui va cimenter définitivement la création tout simplement de ce que l'histoire a retenu comme étant la Grande Roumanie. Cette Grande Roumanie qui, effectivement, dans l'historiographie roumaine de la période, a été totalement, bien sûr, le fruit de la renaissance, si on peut dire, du peuple roumain dans la région. N'oublions pas que le foyer historiquement national roumain, c'est-à-dire la Roumanie des principautés, c'est pas sous la Troisième République française qu'elle va naître, c'est bien avant, c'est sous le Second Empire, c'est parce que Napoléon III a gagné la guerre de Crimée, et il a tellement bien gagné la guerre de Crimée, Napoléon III, qu'il a eu un espace géopolitique que la France avait perdu depuis bien longtemps dans la région, permettant justement de créer ces fameuses trois principautés, la Valachie, la Transylvanie et la Moldavie, qui formeront plus tard, évidemment, la Roumanie moderne, étendue à toute la zone transylvaine hongroise, qui, évidemment, à cette époque-là, n'en faisait pas partie. Alors, le 4 juin 1920, eh bien, donc, ça va permettre à une Roumanie de près de plus de 18 millions d'habitants, désormais d'exister, avec une superficie de 295 000 km², un peu plus. Donc un pays très agrandi au sud par le Banat de Temesvar, de Timișoara, on l'a vu tout à l'heure, autour de Cluj aussi, très agrandi à l'est avec la Moldavie, Moldavie que la Roumanie perdra après 1945, ne l'oublions pas, car Staline la gardera. Enfin, une république socialiste moldave, c'est toujours aujourd'hui un État indépendant, la Moldavie. Et puis, bien sûr, alors à l'ouest, c'est la Transylvanie. Transylvanie,
qui avait été rattaché au royaume de Hongrie au XIe siècle, donc depuis le XIe siècle, eh bien, les Roumains ne l'avaient plus, enfin, l'identité roumaine l'avait perdue, eh bien, c'est un retour, 9 siècles plus tard, hein, au XXe siècle, donc, de cette province pour le peuple roumain. Province qui, quand même, sera quand même constitué d'une énorme minorité hongroise, hein, ça on peut le comprendre, hein, plus d'1 500 000 Hongrois sur le territoire roumain lors du recensement de 1930, c'est un pays qui aura 28% de minorité, pays qui signera évidemment les traités de paix comme tous les autres, et donc le chapitre sur les garanties des minorités, ne l'oublions pas, n'oublions pas que les minorités ont été dans les années 30 un instrument hein, pour détruire les traités de paix, nous menées dans la Seconde Guerre mondiale, hein, et que, hélas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, elles sont à nouveau un enjeu, hein, malheureusement, dans la région, sont toujours un peu prises en otage. Bon, 1 500 000 Hongrois, c'est absolument énorme, une bonne partie évidemment en Transylvanie, mais progressivement, les choses vont se planifier. La Hongrie va devenir un État semi-autoritaire avec Horthy, qui va de plus en plus, surtout après 1933, se rapprocher notamment évidemment du régime nazi, hein, parce que Hitler va promettre à Horthy, en gros, de récupérer une partie de ses territoires, ce qui effectivement sera fait pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, mais évidemment sera éphémère, hein, puisqu'après 1945, eh bien, on rétablit bien sûr l'état antérieur. Voilà un peu comment tout ça se termine. Et puis, ben, pour bien cimenter le tout, et parce qu'on sent bien que ça ne sera pas simple, cet entre-deux-guerres qui commence, les Occidentaux, et surtout la France, vont mettre en place un système d'alliance militaire, hein, que l'on va appeler la Petite Entente. Hein. Petite Entente, donc, on se souvient de l'Entente, hein, évidemment, de la Première Guerre mondiale. Petite Entente, donc, qui va avoir pour tâche, évidemment, de conserver, de garder, si vous voulez, la paix nouvelle acquise si chèrement par cette Première Guerre mondiale et tant de victimes hein, de part et d'autre. Donc, petite entente constituée de la Yougoslavie au sud, de la Tchécoslovaquie au nord et au centre de ce dispositif. Eh bien, nous avons la Roumanie. Vous comprenez maintenant pourquoi hein, la Roumanie a une si grande importance dans ce système de sécurité de l'entre-deux-guerres. J'espère que cette petite vidéo, ce petit topo historique vous aura plu. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, hein, bien sûr, la liker aussi, hein, et faire connaître le plus possible autour de vous ce petit chapitre d'histoire, d'une histoire oubliée, hein, mais qui pourtant est extrêmement importante hein, pour comprendre l'Europe centrale, les Balkans de l'entre-deux-guerres, l'histoire de l'Europe tout court, hein, et par extension, évidemment, notre monde actuel, notre monde contemporain. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.